On ne pouvait pas être mieux accompagné aujourd'hui pour les 350 millions de téléchargements sur Dokkan Battle que de cette magnifique figurine dont j'ai eu la chance de recevoir gratuitement. Donc vraiment merci à Ta Machination parce que c'est grâce à eux que j'ai pu récupérer ce Végéto SSJ Blue. Vraiment stylé de ouf. Et en gros ils m'ont envoyé ça pour célébrer les events exclusifs Color Edition 2020 qui arrivent enfin en France. En gros c'est quoi? Eh bien ce sont des figurines exclusives du fabricant Ta Machination. Du coup dans ces nouveautés vous allez pouvoir récupérer 3 SH Figarts C17, C18 Goku, donc dans le thème Dragon Ball. Vous allez également pouvoir récupérer 2 Figarts 0, une de Broly et une de Végéto SSJ Blue justement ci-dessous sur l'univers Dragon Ball. Vous allez avoir une SH Monster Hearts de Godzilla et un jeu de 7 socles Dragon Ball. J'ai oublié de préciser aussi que les précommandes sont déjà disponibles sur le site de tamachination.fr et également dans la description je vous mets leur site et en plus de ça je vous mets aussi un code promotionnel de 10% sur tout votre panier avec le code promo TNLilian31. Si vous souhaitez acheter des figurines, voilà, une petite réduction, ça se refuse pas. En tout cas, merci encore une fois à Ta Machination pour m'avoir envoyé cette belle figurine de Végéto SSJ Blue. Je vous la montre d'un petit peu plus près. En tout cas, vous allez voir, elle est vraiment très très belle. En tout cas, j'aime bien. J'ai pas l'habitude d'avoir des figurines aussi grosses à la maison. Je sais pas où je vais la placer, clairement, parce que j'ai pas trop de place. Mais en soi, la figurine est vraiment très très belle. Donc vraiment, encore une fois, un grand merci à eux pour leur envoi. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller checker leur site, voir un petit peu tout ce qu'ils font dans la description de la vidéo. Sur ce, bon courage et on est parti pour les 350 millions de téléchargements. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous êtes en forme. Nous sommes sur Dokkan Battle et on est parti pour débuter la célébration des 350 millions de téléchargements. Et pour fêter ça, bien évidemment, on a reçu nos DS, en tout cas nos pierres du dragon mémorables, que l'on peut échanger contre des tickets ou contre des personnages directement dans la boutique de trésors, évidemment. J'ai 211 pierres, enfin j'en ai 212, j'en ai gaspillé une du coup pour un ticket, soit l'équivalent d'approximativement 10 000 DS gaspillés sur cette année. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est quand même pas mal. Ça fait beaucoup, on s'en rend pas compte hein, quand on n'a pas le chiffre sous les yeux. Mais une fois que tu l'as, tu vois que tu fais tes 212 x 50, et là tu fais, ouais, quand même, 10 000 DS, ça fait quand même un bon paquet d'invocations. Donc bon, en tout cas, ça veut dire qu'on a été présent sur le jeu. Et écoutez, on va essayer de les utiliser avec de la bonne manière, j'ai envie de dire de la bonne manière. Puisque, comme je le disais, on a la possibilité soit de récupérer des tickets directement pour aller faire des multi-invocations sur le portail que l'on va aller voir juste après. Soit vous pouvez récupérer justement directement les personnages qu'il y a dans le portail avec ces DS-là. Le truc, c'est que c'est 150 DS pour un seul personnage. Pour un seul personnage. Je trouve pas que ce soit ultra over intéressant, sauf à une condition, vraiment à une condition, c'est que vous ayez tous les personnages du portail, sauf un, et dans ce cas-là, vous le prenez. Si vous en manque un ou deux, genre si vous manque Piccolo, puisque c'est le plus récent, il me semble, vous prenez Piccolo avec vos DS, et comme ça, vous êtes bien. À côté de ça, je trouve que ça fait quand même super cher, puisque quand on fait le calcul, 150 x 50, ouais, ça fait quand même pas mal de DS pour un seul personnage. Je crois que ça fait environ 600 DS pour 650, 700 DS pour un seul personnage. Ouais, je trouve que ça fait mal quand même. Je trouve pas ça très rentable. Et pour le beau jeu, de toute manière, moi je vais aujourd'hui prendre des tickets comme ceci. Je vais en prendre 24 ici. Je vais en prendre 24, parfait. Parce que du coup, en prenant 24 tickets, il m'en reste combien? Il m'en reste 187, donc en soi on est vraiment pas mal. Mais surtout, je vais pouvoir aller taper la multi-invocation à 50, évidemment. Et puis on va espérer avoir du lourd dedans. Je pourrais faire les invocations 7 par 7. Mais tu vois, la 50-50, je trouve qu'elle a plus de saveur. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, bien évidemment. Mais je trouve qu'elle a de la saveur, celle-ci. Et j'ai envie de la tenter, voir ma chance, si elle peut être présente. Les 5 ans, malheureusement, n'ont pas été en ma faveur. Je croise les doigts. Aujourd'hui, on va devoir utiliser la puissance, justement, du Goku Namek, la puissance du Rosé, de C17, tout ce que tu veux. On va croiser les doigts. Et on est parti pour nos invocations de tickets. Je vais pas tous les faire aujourd'hui en vidéo, bien évidemment, puisque ce soir au moment où je mets la vidéo en ligne, je ferai un gros live évidemment pour faire le reste des tickets en live évidemment, et on fera aussi l'histoire sans fin, puisque malheureusement il y a plein de défis et je les ai pas encore fait, donc il y a pas mal de DS à récupérer. Écoutez, on va pouvoir y aller. Pff, Goku, je fais comme toi mon pote, je me penche et tout, la multi à 50, j'espère sans regret, vraiment j'espère sans regret. Let's go.
Let's do it. Allez, sur ce, on est parti. J'espère que vous avez eu de la chance dans vos invocations. Let's go. J'ai l'impression de faire un étirement de ces cours de sport là. Allez, go. Satan sur bout. Satan sur bout. Bon, après, de toute façon, tu me diras sur une multi à 50, quoi qu'il arrive. Sur une multi à 50, en fait, t'es obligé d'avoir une animation de ouf. T'es obligé d'avoir une animation de ouf. Ok. SJ1, SJ2, t'es obligé en fait parce que tu sais que quoi qu'il arrive, t'auras automatiquement un ou deux gros personnages. SJ God, j'ai l'impression que le SJ God aussi, c'est limite pas garanti mais quasiment. Et on va démarrer directement avec le premier tirage et ça partira sur un Trunksu. Ok, très bien. Un Vegeta en deuxième, pas de souci. La famille Vegeta en place. Le Pupui en troisième. Kulilin, ok. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait un max de SSR et si possible, des SSR où j'ai pas de doublon. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer le détecteur du portail d'ailleurs, j'ai oublié de le faire. Mais dedans, je récupère le doublon sur Piccolo, je récupère le doublon sur le Broly Endurance que je n'ai pas non plus. Enfin, j'ai le Broly, mais j'ai pas de doublon dessus. Et aujourd'hui, en 2020, alors, je sais pas, peut-être que vous ne procédez absolument pas comme moi, mais je sais que par exemple, une unité où j'ai pas de doublon, j'ai tendance à ne pas la jouer ou très peu, parce que bah, du coup, elle va être moins intéressante que d'autres sur la plupart des rushs. Vegeta Super Saiyan 2, ouais, pas ouf. Après, le truc, c'est que maintenant, il y a le système des liens aussi, donc une unité qui n'a pas de doublon, si tu lui mets tous les liens Spédis, en soi, elle peut être grave intéressante, tu lui rajoutes les sphères et tout, en soi, maintenant, elle peut être totalement viable. Mais c'est vrai que les petits doublons sur les unités, je trouve quand même... Ça a du charme. Ok, par contre, j'ai pas compté là, je sais plus du tout à combien on est. Vu que j'étais en train de parler, j'étais en train de tout expliquer. Monsieur Bou, ok, pour le moment, on a eu 2 SSR, 2 dégueulasses. Clairement, 2 SSR, vraiment dégueulasses. Qu'est-ce donc? Ah, c'est le puissance. Ah, j'aurais bien voulu avoir le tech, pas le puissance. Le tech, ça aurait été bien parce que j'ai pas de... Ah là là, le cauchemar qui démarre. Oh. Le cauchemar qui démarre, les gars. Ça, c'est un cauchemar. Ça, je vous le dis, ça, c'est cauchemardesque. Pourquoi 3000%, lui. 3000, voilà, lui, c'est 5000% même. Broly Endurance à l'ancienne. Oh là là, oh, je me tape des SSR de partout, mais alors, tout ce qu'il faut pas. Hein. Tout ce qu'il faut pas en termes d'SSR. Hein. Tout ce dont je n'ai pas besoin pour le moment. Hein. Tout ce dont... J'espère que juste le Satan sur bout, c'est pas pour le migater. Hein. Parce que là, ça serait vraiment la tristesse de ouf. Ok. Oh, Switch. Switch. C'est lequel, lui? C'est le AJ? Ah, le Endurance, j'ai besoin de doublon, mais pas l'agilité. Le agilité, je l'ai déjà à 200%. Ah ouais, non, c'est pas ouf. Ok, Gohantec, je prends. Je prends, mais lui, c'est uniquement pour le combo acharné, là, je sais pas quoi. Ah ouais, non, mais là, par contre, pas ouf. Deux SSR dont j'avais vraiment pas besoin. Enfin, même tous les SSR jusqu'ici dont j'avais quasiment pas, ou voire pas du tout besoin. Ok. Babidi, tu veux pas faire un switch Babidi sur un LR ou un truc tu peux, il y a du LR hein, dans le portail, hein, j'ai oublié de préciser, il y a du LR, hein, donc balance un peu. Kulilin, je sais même pas combien de... Là, je t'avoue que j'enchaîne, mais je sais absolument pas à combien je suis. On doit pas être loin de la fin, j'imagine, mais je pense qu'on a dû dépasser les 30-40. Allez, s'il te plaît. Sois généreux un petit peu, les 5 ans m'ont pas réussi. Sois au moins gentil, au moins sur le portail. Un doublon de Piccolo, un doublon de Broly. Je demande pas grand chose en vrai, parce qu'en soi, il y a beaucoup d'unités que j'ai déjà 100% dans le portail. Allez. Oh, ça va pas le faire. Ça va que j'ai encore des tickets derrière, ça va, heureusement. Hein. Mais quand même. Ok, non. Pas ouf du tout. Et c'est... Oh, c'est terminé. Non, c'est terminé là-dessus. Ah non, mais c'est un traumatisme là. Oh. Wow. Donc là, attends, multi à 50, pour avoir combien de SSR juste? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon en soi, ouais, 6, ouais, bah ça fait tout la tranche de 10 personnages. Ah ouais, je sais pas si ça... Je crois pas que ça a été très très rentable de faire cette multi-invocation. Okay. Ah ouais, non, là par contre, pas ouf. Il me reste combien de tickets? Parce que là, attends, on va faire une petite saison 2 quand même. On peut pas rester sur ça, c'est pas possible. Non, on peut pas rester sur ça. Non, ça c'est pas ça, on s'en fout. Il me reste 187. Ah ouais, non, je peux pas... Hey, t'as vu ma gueule? T'as cru que j'allais rester sur ça ou quoi? Non, jamais de la vie. Je sais pas si je fais 7 par 7 du coup.
On peut éventuellement faire du 7x7. Peut-être qu'on aura plus de chance aussi de cette manière-là. Du coup, je vais en prendre genre 21. Comme ça, on s'en fait 3 dernières. Voilà, j'en prends 21. Hop là, parfait. Comme ça, il m'en reste 166. C'est nickel. Du coup, invocation. Oh, attends, t'as cru que j'allais lâcher comme ça. Comme ça, on se fait 3 multi-invocations ici à 7. Et on croise les doigts, et puis le reste, je le garde pour le live, puisque bon, la multi à 50, ça a pas payé, mais alors vraiment pas. Allez, sur ce, on est parti. Première multi-invocation ici à 7. Allez, Goku. Let's go. Pouh, l'animation dégueulasse. L'animation pas belle. Ouh, elle est pas belle, celle-là. Ouh, elle est archi pas belle. Après, avec un peu de chance, on peut se taper un bon SSR, hein. Avec un peu de chance. Avec beaucoup de chance aussi, SSJ3. Ok, SSJ3. Regardez, je pèle du visage, c'est la loose. Bah déjà ça c'est beaucoup mieux que ce que j'ai obtenu dans la multi limite. Mais bon, après je l'ai 100% en Goten, donc malheureusement, mais pas d'une, enfin, mais de aucune utilité malheureusement. Qu'est-ce que c'est ça? Hildegarde, 100% aussi je crois. Ou peut-être 90%, mais ok. Hildegarde, why not? Videl. Ok, Kame Sennin, je crois que c'était le dernier. Ouais, c'est ça, c'était le dernier. Bon, en soi, 2 SSR en une multi à 7. Là, clairement, pour le coup, c'est déjà bien plus rentable que ce que j'ai fait sur la multi à 50. Clairement. Donc, en soi, on va rester là-dessus. Allez, on repart sur la multi à 7. Hein, on va pas chipoter. Let's go. Allez, animation, s'il te plaît. Oh, Vegeta. José, je t'en conjure. Fais en sorte que Vegeta, il fusionne. Je t'en supplie. Allez. Ah! Ah, José, tu m'as abandonné, José. Ok, allez, let's go. Allez, 1. Bah, SSJ uniquement. Ah ouais, par contre, la première, elle était cool, mais la deuxième, elle nous fait un petit peu bégayer, là, pour le coup. Hein. Ok, Trunks, agilité, c'est bien. Ok, c'est bien, hein. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas du tout ce qu'on veut. Ok, Paragus. Ok, Monsieur Dabla, Bon, allez, on va dire que j'ai rien vu, tout s'est très bien passé, et on part pour la dernière multi-invocation de cette vidéo, voyons voir. Allez, fais-moi rêver s'il te plaît, allez. Ben, en fait, c'est quoi le projet quand il y a Yamcha et Bou l'un côte à côte? Il n'y a pas de projet en fait, il n'y a pas de projet. Ah ouais, non, même pas ça se transforme, rien. Je peux pas rester sur ça, je vous le dis, je peux pas rester sur ça. Maître des grues. C'est toi le maître de la grue là. Allez, Beerus. Ouais, super. Pas d'SSR, hein. Pas d'SSR en vue. Hein. Ouais, pas d'SSR en vue. Allez, je passe. Dégueulasse la multi. Allez, tu sais quoi? Allez, ils m'ont pris pour je ne sais pas qui. Mais moi, je ne suis pas je ne sais pas qui. Je suis je ne sais pas qui. Et j'en reprends 7. Et on se fait une petite dernière. Ouais, je peux pas rester sur ça. Non, je peux pas. Non, il y a des choses. C'est quoi? Il y a quoi? Attends, j'ai vu là, il y avait campagne en cours juste. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe par ici là? Mission coopération. Ah, lourd! Récompense, attends, voyons, il y a quoi comme récompense? Ok, c'est tout ce qu'on peut récupérer pour le moment. Ok, donc là, on récupère ça. Oh, sympa, ok. Ok, sympa, j'avais pas fait attention à ça. J'ai pas fait attention, ici on a quoi? Ok, les points d'amis, je crois que les points d'amis, de toute façon, j'en ai plus trop besoin aujourd'hui. Hein. Clairement, après 5 ans sur le jeu, les points d'amis, normalement, t'es large. Sur ce, dernière multi. Allez. Ah, Kulilin et Gohan, il pouvait pas y avoir juste Kulilin. Ah, t'es l'enfant non désiré, Gohan. Là, clairement, t'es l'enfant non désiré hein, dans cette histoire. Hein. Allez, 1. Ah, mais c'est pas vrai. Mais c'est quoi ces tickets là? C'est quoi ces tickets SSJ1 là? Bon, ok, baby. Baby, wouhou, j'ai que des guldo dans ma multi, guldo, que des guldo dans ma multi. 3 guldo d'affilée quand même, ouais, bam, ok. Bon, bah écoutez, oui j'ai craqué sur la fin psychologiquement, oui j'ai craqué, mais la première partie de ticket, écoute en vidéo, c'est coup-ci coup-ça, j'ai envie de te dire, coup-ci coup-ça, pas très rentable pour le moment. Bon, ceci dit, j'ai encore 150 tickets, donc je pourrais faire 3 multi à 50. On fera ça en live, évidemment, comme ça au moins, ça sera un petit peu plus fun. En tout cas,
pour cette première partie, ben, j'ai pas eu grand chose. Dites-moi dans les commentaires combien de DS du coup vous avez obtenu, et donc du coup ben, l'équivalent de combien de tickets. N'oubliez pas que une DS, il me semble que c'est 50 tickets. 50 tickets, qu'est-ce que je raconte, une DS, c'est l'équivalent de 50 50 DS dépensés. Donc si vous avez, j'en sais rien, 200 DS arc-en-ciel, vous multipliez par 50 à chaque fois. En tout cas, bah écoutez, nous on va arriver au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci comme d'habitude. Si c'est le cas, merci à Flo pour ton abonnement. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de soutien évidemment à cette vidéo. N'oubliez pas les réseaux sociaux aussi, hein, si vous avez envie d'échanger, notamment Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Snap, Instagram, n'hésitez pas non plus, les liens dans la description de la vidéo. Et puis, quant à nous, eh bien, on se retrouve très rapidement en vidéo et en live le plus vite possible pour la suite de nos aventures sur Dokkan Battle. Ça sera d'ailleurs ce soir au moment où je sors la vidéo, gros live pour la suite des tickets et l'histoire sans fin sur Dokkan Battle. Hâte d'y être en tout cas. Merci à tous. Moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Pour ceux qui n'ont pas encore invoqué, bon courage et à très vite pour du Dokkan Battle. Ciao tout le monde.